Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Non, non, je ne filme pas de très loin. Je ne n'ai pas mis d'effet de zoom, d'effet éloignement ou quoi que ce soit. Je vous présente une petite collection de petites Austin Mini. Alors déjà, l'Austin Mini, c'est pas bien gros à la base, mais là, elles sont encore toutes petites. C'est du 1,72 à l'échelle. Pour vous dire que c'est vraiment petit. Voici ma main. Et voici ce que ça représente à côté. C'est Honguel Carrarama qui présente ça. C'est une petite collection de mini qui est superbe. Qui est vraiment toute mini. Toute mini. Et elles sont très jolies, très bien finies. À tous les niveaux. Il n'y a rien à dire sur cette petite, alors, petite collection, au 1,72, il y en a quand même un paquet chez Honguel Carrarama. Moi, j'en ai que 6, 7. Il en existe pas mal de ces petits, tout petits modèles. En tout cas, voilà. Alors, on va essayer de vous présenter. Donc, il y a la version van chez les pompiers. Et regardez-moi comment c'est fini. C'est splendide. Pour une toute petite échelle, elles sont très bien réalisées à tous les niveaux. Alors bien sûr, il ne faut pas regarder le châssis. Mais donc là, il y a cette version pompier, ici, avec un mignonne. Nous avons cette petite version avec le toit à damier et le damier sur le capot également. Les petites jantes typiques. La déco qui va bien. Les quatre optiques sur le pare-choc. Présent les rétroviseurs. Regardez-moi cette petite arrière, tout mimi, très finement détaillé pour du 1,72. C'est une très jolie petite collection. Alors quand je vous dis qu'il en existe quand même certains modèles, je crois que bon, une mini, ça reste une mini, vous me direz, mais après il y a quand même beaucoup de couleurs qui ont été sorties dans cette collection. Petits antibrouillards sur le pare-choc, enfin les petits antibrouillards. La calandre, le logo de capot. Les jantes, les feux arrière. Tout y est sur cette petite collection. Elles sont splendides, ces voitures. Alors bien sûr, c'est à manipuler avec précaution parce que quand on voit la taille que ça fait, voyez, jusqu'à pousser les détails de la plaque de rallye et de la plaque d'immatriculation, pardon, sur le capot, c'est splendide. Les petits chromes, les élargisseurs d'ailes, les petites jantes classiques. La conduite intérieure à droite. Elles sont magnifiques, ces petites voitures. Et là, quand je vous dis qu'on est dans une petite collection, il n'y a pas à dire. Je pèse mes mots pour vous le dire. C'est vraiment du petit. La version police qui est vraiment très jolie également. Dans la version van. Police anglaise, bien sûr, conduite à droite, avec le gros truc sur le toit, là. On peut même pas dire que c'est un gyro, tellement c'est disproportionné par rapport à la voiture, enfin, en vrai.
également la plaque d'immatriculation, cycle et police. Cooper, avec la petite déco, les sponsors qui vont bien sur le côté, il n'y a rien. Rien n'a été oublié. Il n'y a rien à dire. Carama s'est lâché sur cette petite voiture. Mini Cooper. Voilà, c'est bien écrit en dessous. On ne peut pas se tromper. Hormis les peintures et les décos qui changent, ça reste quand même un très très beau petit modèle. Vous voyez, ils ont repris bien sûr le châssis pour toute Mini Cooper. Bien sûr, pas d'ouvrant. Vous vous en doutez, mais on est quand même dans un très beau degré de finition pour la taille de la voiture. Parce que quand vous détaillez bien au niveau de la portière, alors trouvez le bon angle, on voit ils ont reproduit les charnières d'ouverture, la petite poignée de porte, les rétroviseurs, les répétiteurs d'ailes, la trappe à essence. Les feux arrière avec le chrome autour. Les essuie-glaces sur le pare-brise sont présents. Les clignotants à l'avant. Puis tout est bien proportionné sur ces petites voitures. Franchement, il n'y a rien qui dénote avec la taille de l'engin. C'est ça qui est très beau. C'est qu'ils sont vraiment bien assurés. Alors, ce ne sont pas des voitures pour faire rouler. On se doute bien que vu la taille, voilà, même les micro-machines roulent mieux que ça. Mais bon, c'est pas ce qu'on leur demande. Et dans une collection, ça pour moi, ça rend super bien. Donc je tenais à vous les présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que j'aime bien savoir ce que mes abonnés pensent de ce que je leur présente, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben allez-y, vous êtes les bienvenus. Cette chaîne est faite pour vous, pour les passionnés d'automobile comme moi, dans tous les styles. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.